Good morgen, allez, Iden les sutres aujourd'hui, le Nishmat Chayester, Bat Myriam, à ce que dire Fouat, Olivier, Israël, Shimon, Ben Chayester, Kamchat, Myriam, Bat Ozlena, et Benjamin, Ben Chaviva, si vous souhaitez, vous souhaitez une chaîne étude de Mishnah, contactez la communauté éternelle. Nous étions à Sarah Shabbat, Perikutet, Mishnah Vav, Elohen, Hatzitzin, Ame Agvin, et Amila, Basar, Achofe, et Ro, Va Atara, Ve'en Ochel, Batouma, Vimaya Bal, Basar, Metakno, Mipne, Marita, Aïn, Mal, Velopara, et Amila, Keilu, Lo Mal. On a une Mishnah qui va parler à présent plus tellement de la Mila pendant Shabbat, mais de manière générale plutôt sur la mitzvah de Mila en général, le Brit Mila. Plus précisément, quoi couper et comment se conduire avec les petits mots. D'abord, on fait une petite introduction. On distingue le guide et la Atara. Le guide, c'est le membre, proprement dit. Le guide, ça veut dire un nerf en hébreu. Donc on fait plutôt allusion à la partie, le tuyau. D'accord, qui est plus proche du corps, à différencier de la atara, la couronne, littéralement, c'est-à-dire en fait le gland en français. Et on appelle l'atara parce qu'en fait, une fois qu'on a fait la Brit Mila, alors on a le rebord de l'atara qui dépasse sur les côtés. D'accord, comme une couronne un peu. Et donc maintenant, ça se passe comme ça. J'ai pas eu l'occasion de tellement regarder des membres qui n'ont pas fait le Brit Mila, donc je fais avec les données que j'ai. Et je vais pas faire de recherche internet quand même, vous comprenez. Et du coup, j'ai internet cachère d'abord, ça ne va même pas monter comme ça, on a résolu le problème. Et donc il y a comme ça, ça se passe comme ça. Il y a une peau qui vient du guide et qui recouvre, j'ai déjà vu avec les bébés, quoi. Regardez un bébé quand il vient de naître. Et puis vous allez voir qu'il y a une peau qui recouvre, qui vient du guide et qui recouvre la atara, qui recouvre le gland. Et pas complètement, jusqu'à presque en haut. Et donc voilà, c'est cette peau-là qu'il va falloir supprimer. De quelle manière on la supprime? Deux choses, Mila et Priya. On doit la couper et après on doit retourner. C'est-à-dire en fait, je comprends qu'il y a en fait deux peaux en fait. Une peau externe et une peau interne. La peau externe, on la coupe, on la supprime, mais après il reste une petite peau interne qu'il faut prendre et la retourner sur elle-même, qu'après on la fixe. Il y a entre parenthèses d'autres techniques qui ont été un peu développées dans ces dernières années, dans ces dernières trentaines d'années, et qui a fait l'objet de beaucoup de discussions, beaucoup de rabbanim qui se sont opposés, qui consistent en fait à bien saisir le tout et tout couper comme ça, plus rien à retourner. Sur celle d'autres rabbanim, ils ont dit non, il faut réellement faire deux choses, il faut faire la mila et après la pria. Il faut couper, et puis après retourner, il ne faut pas tout couper, de manière à ce qu'on puisse faire la pria dans le Alpi Arizal. Il y a des kavanot spéciales pour la mila, et des kavanot spéciales pour la pria, c'est vraiment deux choses, c'est important de le faire les deux en même temps. Concertez-vous avec un rave, prenez un mot et le mot prêt, il n'y aura pas de problème. Et voilà. Donc on a maintenant expliqué c'est quoi la peau à supprimer. Et la Mishnah maintenant va. Non, d'abord, avant de faire la Mishnah, je préfère tout introduire et puis après traduire et traduire le mot, comme ça vous allez tout comprendre. Il y a maintenant, il faut savoir, il y a le minimum requis. Maintenant, bon, on a précisé qu'il y a les deux peaux. Et il faut savoir qu'on fait le Brit Mila, il y a le minimum requis et la mitzvah parfaite. C'est-à-dire minimum requis, à partir de quand j'ai coupé suffisamment de peau, si je coupe un petit bout de peau, je n'ai pas fait le Brit Mila. Il va falloir couper, en théorie, alors pour faire la mitzvah la plus parfaite, il va falloir tout couper, toute la peau supplémentaire, de manière à ce que la tara, le gland, va être bien dévoilé complètement, sans aucune peau qui s'approche de lui. D'accord? Ça c'est le top, la Brit Mila parfaitement faite. Maintenant, lorsqu'on peut pas, on n'a pas, il n'y avait pas de moelle disponible, on avait juste un moelle qui savait le faire, mais pas un grand membre, il a été un peu vu, il commençait à avoir les mains qui tremblaient un peu. Du coup, alors le minimum requis, c'est d'avoir coupé suffisamment de peau pour que, de manière à ce que, il y ait plus, il y a deux choses qui invalident en fait. C'est la couper la peau de manière à ce que, sur le rove, la majorité de la circonférence, ou encore dans un endroit, si d'abord, on va pour deux cas de figure. Si la majorité de la circonférence n'a pas encore été dévoilée, c'est-à-dire, on a dit qu'il y a l'atara, le gland, avec l'atara, le fait que ça dépasse un petit peu, d'accord? Que sur la majorité du pourtour, du contour, il y a une peau qui le recouvre un petit peu. La Brit Mila n'est pas assez bonne. Il faut recouper. On n'a pas encore accompli la mitzvah, même si on a coupé. D'accord? Premièrement. Donc si la majorité de la circonférence, par contre s'il a coupé quasiment tout et il y avait dans un endroit un tout petit peu de peau qui remontait, a posteriori c'est cacheur. Idem aussi, si par contre il a coupé quasiment tout, toute la circonférence, mais tout le pourtour, mais dans un endroit il y a un bout de peau très long qui remonte, jusqu'à recouvrir le rove gova,
Il y a soit Rov Gova, soit Rov Hekef. Si vous regardez dans le Barthénora et dans le Tifer Israël, ils vont expliquer. Rov Gova, c'est le. Si ça recouvre la majorité de la hauteur, c'est-à-dire que la peau, elle est restée majoritaire dans un endroit, même un tout petit endroit, mais elle est restée très longue, ou encore, elle a été coupée de partout, mais elle n'a pas suffisamment, de manière à ce qu'elle recouvre encore un petit peu la tara, le gland, la mila est invalidée. D'accord? A posteriori maintenant, point super important, je vous l'introduis aussi tout de suite, c'est le dernier Barthénora de la Mishnah, mais c'est déduit en fait entre les lignes de la Mishnah, comme ça la gamme explicite, que ça se passe comme ça. On a dit que le minimum requis est la mitzvah parfaite. Comme dans n'importe quelle mitzvah qu'il faut la faire avec splendeur, Zekeli Vanveu, la Mishnah de la Gemara nous dit, aussi la, on accomplit aussi la mitzvah de Zekeli Vanveu d'accomplir parfaitement le Brit Mila, qu'elle soit belle, d'accord, qu'elle soit bien faite, qu'elle soit bien distinguée, et la peau bien repartir en arrière. Il y a maintenant, lorsqu'on fait un Brit Mila à Shabbat, alors, tu n'es pas obligé de faire le minimum requis. C'est-à-dire, on a dit, couper, faire le Brit Mila, ça implique plusieurs interdits de la Torah par rapport à l'interdit de Trilou le Shabbat. On transgresse Shabbat quand on fait un Brit Mila. Sauf que la Torah nous a dit, malgré tout, le Shabbat, il l'emporte sur la Mila l'emporte sur le Shabbat, et la mitzvah repousse, la Mila faite en temps et en heure, repousse la mitzvah du Shabbat. Alors tu as le droit de le faire. Maintenant, combien est-ce que je vais couper le Shabbat? Est-ce que je dois tout couper comme il faut, de faire tout parfaitement, alors que je n'étais pas obligé de le faire? La réponse, elle est oui. J'ai le droit de le faire, mais à une condition. Que le moelle ne s'est pas retiré. C'est-à-dire, si le moelle a commencé à faire le Brit Mila, il a tout fini. Et puis il retire les mains, ça y est, il commence à verser le verre de kidouche pour qu'on. Puis d'un coup, il réalise que non, il reste dans un petit endroit, une petite peau. Une petite peau qui n'invalide pas le Brit Mila. On va lui dire, non, Moël, puisque tu as fait déjà la Brit Mila, qu'elle est kshéra, a posteriori, elle est kashéra, même si elle n'est pas la plus parfaite, tu aurais pu mieux couper, malgré tout. Tu ne coupes plus pendant Shabbat, tu attends pendant Shabbat, tu coupes pendant le reste. Mais tu n'as plus le droit de retoucher pendant Shabbat. C'est-à-dire, pendant que le Moël, il est en train de faire le Brit Mila, il coupe tout ce qui est nécessaire, même si c'est le minimum requis, il a déjà été accompli. Là, il a coupé les peaux. Il est arrivé maintenant à 97% des peaux, il reste encore un petit bout de peau. On lui dit, coupe-le, t'es en train de faire le Brit Mila, accompli ta mitzvah parfaitement. Tu t'es retiré, tu veux savoir maintenant ce que tu as le droit de revenir? Sur ça, on va dire, non, puisque le Brit Mila, posteriori, elle est kshéra, tu n'as plus le droit de retoucher pendant Shabbat, t'attendras Motzei Shabbat pour couper le reste. Et on commence à traduire maintenant le Mishnah. Eloi Natsitsin, tout ça c'est écrit dans la Mishnah, et aussi c'est explicite et implicite dans la Mishnah. Le Barthénora le rapporte à la fin, c'est la Gemara qui déduit. Maintenant on commence à traduire le Mishnah, ça va aller vite. Eloi Natsitsin, Ameagvin, Atamela, telles sont les petites peaux, les petites membranes, membres, les petites peaux, Ameagvin et Atamela, qui empêchent, qui invalident la Mila. C'est-à-dire que si tu les as laissées, eh bien, la Mila n'est pas encore bonne, n'est pas encore suffisante, il faut recommencer, il faut continuer. Bassar a chofet rova tara, littéralement, la peau, la viande, la chair, en fait c'est la peau, qui recouvre, qui est chofet, et rova tara, qui recouvre la majorité de la atara. Ça implique deux choses, soit la majorité de la hauteur, soit la majorité de du contour. D'accord, comme on a expliqué, soit dans un endroit, un tout petit endroit, mais il y a une peau qui va très loin, ou bien tout a été coupé, mais pas assez, parce que maintenant c'est plus coupé à ras, plus coupé, et on voit du coup que la majorité de la circonférence, ça recouvre un petit peu le gland. Et donc, maintenant, même chacun continue en disant, Ve'eno chel bitroma. Et si c'est un Kohen qui n'a pas fait le Brit Mila, ou bien qui a fait le Brit Mila, mais mal et qui lui reste, il n'aura pas le droit de manger la trauma, parce que pour manger la trauma, il faut, on apprend du Corban Pessar qui est marqué là-bas, le Chol Arel, l'Oyo Chalbo, je ne sais plus, c'est écrit là-bas, c'est explicite, qu'un Arel, quelqu'un qui a fait le Brit Mila, il s'appelle un Arel, eh bien, il n'aura plus le droit, il n'aura pas le droit de manger le Corban Pessar, il en va de même aussi pour la trauma. Et la Mishnah continue en disant maintenant, Vimaya Baal Bassar, Metakno Mipene Marit Aïn. Si le bébé, il était, enfin, le bébé ou le grand, il a grandi depuis. Et il a même grossi. Et en grossissant, il a eu maintenant la peau du guide qui est reparti recouvrir un peu trop le gland. La Gemara précise en plein de détails, ça dépend s'il est avec Evermet ou Everchai en érection ou non. Est-ce que ça recouvre, dans quelle situation? Il y a plusieurs la Gemara, pas longuement pour expliquer tout ça. En tout cas, si jamais il a la peau qui est reparti recouvrir partiellement le gland, alors, la Mishnah nous enseigne, il fera bien de repartir
couper davantage, recouper de nouveau, même s'il a 30 ans, 40 ans, 50 ans, Mipne Maritain, à cause du Maritain, que les gens qui pourraient le voir nu, ben vont dire qu'il n'est pas juif, celui-là, il n'est pas chez nous. D'accord? Il faudra recouper à cause de Maritain. Il rapporte le Tiferet Israël au nom du char, que si toutefois, ça requiert trop de tsar, c'est insupportable, alors bien évidemment, il n'aura pas, je ne sais pas si bien évidemment, en tout cas, il n'aura pas besoin de le faire. Il n'a pas besoin de réparer. Mais autant que possible, il a une mitzvah de réparer Vodai. Mal velopara est un mila. Si tout fait, il a fait le brit mila, mais il n'a pas fait la pria. La mila pria, c'est découvrir. S'il a coupé, mais il n'a pas fait la pria, il n'a pas retourné la peau, eh bien, qu'ilo le mal, on considère qu'il n'a pas du tout fait le brit mila. C'est une certaine répétition de ce qu'il avait déjà écrit. Mais le tiré-sain l'apporte, que c'est pour te dire que même si tu as fait le brit mila le premier jour, comme il faut, enfin, tu pensais que tu avais comme il faut, mais tu as laissé quelque chose qui est invalide le brit mila. Et tu réalises ça que deux jours après, trois jours après, tu refais le brit mila, tu refais même les brachot sur le brit mila, et voilà, la totale, d'accord? Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'atzlacha, kol tov, selah.